Mesdames, Messieurs, frères et sœurs bien-aimés, chers amis, bonjour. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec vous tous. Nous rendons grâce et gloire à l'Éternel, notre Père et notre Dieu, qui a veillé sur nous pendant les heures de la nuit et qui nous a fait la grâce de nous retrouver ce matin encore sur cette plateforme pour passer ce temps dans la prière, pour dire à Jésus un grand merci de nous avoir jusque-là assisté, de nous avoir jusque-là aidé. Oui, Ebenezer, cette pierre de secours, jusqu'ici, l'Éternel nous a secouru. À nous-mêmes qui l'a, à nous-mêmes qui rentrer dans ce temps de prière, dans ce temps de dévotion, nous prenons grand plaisir pour nous capables de saluer dans le nom de Jésus-Christ et pour nous capables de dire bon matin et bon réveil. Encourager ou partager lien avec nos familles, partager lien. 11 amis, et là-bas pour nous, ça y est, une source de bénédiction. Nous allons rentrer dans notre temps de prière. Nous allons éviter pour nous capables de mettre en position pour ça, pour nous capables de la prier. À nous prier, pour nous capables de commencer. Oui, merci sois-tu, Éternel, notre Père et notre Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, de faveur et grâce qu'on a accordé nous ce matin, de nous retrouver en ta présence. Merci pour les soins jaloux que tu prends de nous. Merci de ce que tu ne nous laisses ni ne nous abandonnes. Dans les moments les plus difficiles de la vie, tu viens nous rencontrer pour nous dire que tu es là, que tu es vivant, que tu n'as pas changé, et que les plans et projets que tu fais pour nous, ces gros bagages, ces projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Merci infiniment, Père très saint, de sourire pour nous. Merci de journée, de nuit là où fait nous passer en bien. Merci de jour ça où fait nous cadeau. Oui, nous sommes mon Dieu qui est fidèle. Nous sommes mon Dieu qui est réel. Nous sommes mon Dieu qui est vivant. Nous sommes mon Dieu qui est éternel. Et pour toute belle bénédiction, pour toute grâce, pour accorder nous ce matin, nous sommes en droit. Capable de venir dans la présence pour nous dire merci. La main d'autant prie, pardonnez péché nous, péché que nous commettons, contre tête nous, contre nous-mêmes. Aidez-nous, Céleste Père, contre prochain nous. Aidez-nous, Céleste Père, pour nous capables de bien les yeux, les regards fixés sur toi seul, qui est le chef et le consommateur de la foi. Maman, Céleste Père, pour entrer dans la vie nous matin, pour nettoyer, font lavage à pression pour nous matin. Nettoyez pensée nous de toute vie, idée, nettoyez l'esprit nous de toute vie, pensée drôle, pensée étrange, qui t'a pas venu sous nos célestes pères. Maintenant nous mandons dans le nom de Jésus, venez dans la vie nous, nettoyez bagaille ça, qui va aller pour pas chanter les péchés de haine, de rancune, de jalousie, de méchanceté. On va nettoyer aux célestes pères, Wababan, des pensées d'amour, des pensées de bonté, des pensées de pardon, des pensées de bienveillance. Il n'a pas, ouais, la face de Dieu sur la terre des vivants. Papa, ou bon pour nous, ou bon en pile pour nous. Il m'a demandé au matin, s'il te plaît, aidez-nous pour que nous soyons capables de les yeux et les regards fixés sur toi et sur toi seul, qui est le chef et le consommateur de la foi. Aidez-nous pour nous capables de reconnaître à quel point tu es bon pour nous. Et ainsi, même dans la folie, nous, Seigneur, ou à nous un peu de bon sens pour nous capables de rendre compte que si nous sommes encore en vie, c'est l'effet de ta grâce. Nous sommes des bénéficiaires de la grâce. C'est la grâce qui nous soutient. C'est la grâce de Dieu qui nous protège. C'est la grâce de Dieu qui nous bénit. C'est la grâce de Dieu. Alléluia, qui fait que nous l'a toujours. Mais papa, prends pour nous, s'il te plaît, le contrôle, le plein contrôle. Prends pour nous le plein contrôle de cette journée qui commence déjà. Que le capable de journée bien passée en présence de Dieu. Qu'en retour nous soyons bénis. Qu'en retour nous soyons bien gardés. Qu'en retour nous soyons fortifiés. Qu'en retour nous soyons réconfortés. Nous remettons totalement entre tes mains. Agis pour nous. Fais merveille que vous-même seul qu'a fait. Fais merveille, Seigneur, que vous-même.
seul qui a fait, à qui grâce Seigneur, comme même seul capable bail, à qui bénédiction Seigneur, comme même seul capable bail. Et nous prions comme ça, nous demandons toutes ces grâces avec le pardon de nos péchés dans le nom du Seigneur Jésus qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen. Amen. Je veux pécheur sauvé par grâce, exalter Jésus en ce jour, de son sang dire l'efficace, sonder ton ineffable amour, sur la croix Christ a porté toute mon iniquité. À lui je m'abandonne enfin, pour être à ce sauveur divin. Je veux pécheur sauvé par grâce, exalter Jésus en ce jour, de son sang dire l'efficace. Chanter son ineffable amour, sur la croix Christ a porté toute mon iniquité. À lui je m'abandonne enfin, pour être à ce sauveur divin. Je cherchais luttais avec larmes, je voulais vaincre mais en vain. Quand lassé je rendis les armes, la paix brilla sur mon chemin. Sur la croix Christ a porté toute mon iniquité. À lui je m'abandonne enfin, pour être à ce sauveur divin. Sur moi posant sa main bénie, il me lava complètement. Et dans mon âme à lui l'aurore, d'un beau jour qui ne peut finir, sur la croix Christ a porté toute mon iniquité. À lui je m'abandonne enfin, pour être à ce sauveur divin. Le prince de paix passe encore en cet instant pour me bénir. Et dans mon âme à lui l'aurore, d'un beau jour qui ne peut finir. Sur la croix, Christ a porté toute mon iniquité. À lui, je m'abandonne enfin, pour être à ce sauveur divin. Sur la croix, Jésus a porté toute mon iniquité. À lui je m'abandonne enfin, pour être à ce sauveur divin. Amen. Amen. Sur la croix, Christ a porté toute mon iniquité. À lui je m'abandonne enfin, pour être à ce sauveur divin. Numéro 54. Ô charité suprême, le Fils de Dieu lui-même voulut se revêtir de notre infirmité.
Si fait misérable, il naît dans une étable. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Sur une croix infâme, voyez-le rendre l'âme de ses propres bourreaux, portant l'iniquité pour briser notre chaîne. Il subit notre peine, nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Comme on sort d'un vain rêve, il s'éveille, il se lève, tressaille cieux et terre, il est ressuscité. Il nous ouvre la voie, il nous donne sa joie, nous dirons son amour pendant l'éternité. Oh, oh, nous dirons son amour pendant l'éternité. Rentrez dans la lumière, à la droite du Père, il conserve envers nous la même charité pour nous venir en aide. Sans cesse, il intercède, nous dirons son amour pendant l'éternité. Oh, oh, nous dirons son amour pendant l'éternité. Il revient sur la nuit, attendons sa venue, bientôt il régnera dans la sainte cité. Partageant sa victoire, rayonnant de sa gloire, nous dirons son amour pendant l'éternité. Oh, oh, nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Oh, oh, nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Oh, oh, nous dirons son amour pendant l'éternité. Oh, 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 oh. Son amour pendant l'éternité. Gloire à Dieu dans les lieux élevés et paix sur la terre parmi les hommes de bonne volonté. Gloire à Dieu dans les lieux élevés et paix sur la terre parmi les hommes de bonne volonté. Gloire à Dieu dans les lieux élevés et paix sur la terre parmi les hommes de bonne volonté. Gloire à Dieu
dans les lieux élevés et paix sur la terre parmi les hommes de bonne volonté. Gloire à Dieu dans les lieux élevés et paix sur la terre parmi les hommes de bonne volonté. Alléluia, louange à Dieu, chrétiens célébrons en tout lieu son nom et sa puissance. Bénissons ce Dieu créateur, chantons son règne et sa grandeur. Exaltons sa clémence. Alléluia, louange à Dieu. Chrétiens, célébrons en tout lieu son nom et sa puissance. Bénissons ce Dieu créateur, chantons son règne et sa grandeur, exaltons sa clémence. Alléluia, Fils éternel, Sauveur de l'homme criminel, reçois notre humble hommage. Pénétré de ta charité, ton peuple par toi racheté, tu bénis d'âge en âge. Alléluia, céleste esprit, de notre cœur humble et contrit, accepte la prière, qu'à toi seul enfin consacré, il soit à jamais pénétré de ta vive lumière. Alléluia, Dieu, toi, foi saint, que ton auguste nom soit craint par tous ceux qui respirent. Règne sur ton peuple à jamais, et que tout l'univers en paix adore ton empire. Règne sur ton peuple à jamais, et que tout l'univers en paix adore ton empire. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Ô bonheur ineffable, Dieu n'est plus irrité,
Il pardonne aux coupables contre lui révoltés, pour porter nos forfaits, pour sceller notre paix. Jésus s'est présenté vers le trône de gloire. Si nous levons les yeux, nous rencontrons la face d'un Sauveur glorieux. Il est notre avocat. Pour les siens, il combat, toujours victorieux, pour diriger la voie de tous ses rachetés. Dans leur cœur, il envoie ses célestes clartés. Son esprit nous conduit, sa grâce nous instruit. Des saintes vérités, bientôt vêtus de gloire du ciel, il reviendra, consommant sa victoire, il nous affranchira. Et son heureux enfant, avec lui triomphant, tel qu'il est le verra, tel qu'il est le verra. Somme sans toi, poussé vers l'Éternel, des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Et pendant Somme sans toi, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'on va pas sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, bénit le Dieu d'amour. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, bénit le Dieu d'amour. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme
âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, bénis le Dieu d'amour. Si c'est pas l'amour, bon Dieu, je dis à m'patala. Si c'est pas l'amour, bon Dieu, je dis à m'patala. La, la, la. Si c'est pas l'amour, bon Dieu, je dis à m'patala. Bénis le Dieu d'amour. Si c'est pas l'amour, bon Dieu, je dis à m'patala. Si c'est pas l'amour, bon Dieu, je dis à m'patala. Si c'est pas l'amour, bon Dieu, je dis à m'patala. Bénis le Dieu d'amour. Si c'est pas l'amour, bon Dieu, je dis à m'patala. Si c'est pas l'amour, bon Dieu, je dis à m'patala. La la la. Si c'est pas l'amour, bon Dieu, je dis à m'patala. Bénis le Dieu d'amour. Bientôt de la terre, oui, finiront les tourments. Oui, finiront les tourments de la terre. Bientôt de la terre, oui, finiront les tourments. Finiront les tourments. Mon âme, bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, bénis le Dieu d'amour. Bénis le Dieu d'amour. Bénis le Dieu d'amour. Bénis le Dieu d'amour, bénis le Dieu d'amour, oh, bénis le Dieu d'amour. Alléluia, gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, c'est l'Éternel qui est Dieu, 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 c'est l'Éternel qui est Dieu. 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 Amen. Frère Semio, me contemple. Grâce, mon Dieu, fais-nous pour que nous soyons capables ensemble matin. Encore. Pour que nous soyons capables d'enseigner la parole. Nous espérer que. Ou t'es passé une agréable soirée. Qu'en a nous qui t'es travaillé pendant la nuit là. Et quel que soit côté où y est, nous saluons dans le nom de Jésus et nous prier pour force. I pray for your strength. I pray for your perseverance. Prier pour force, prier pour persévérance. Et demander que le Seigneur, qui a commencé à t'assister, continue encore à veiller sur toi. Continue encore à t'assister, à t'aider dans le nom de Jésus de Nazareth. Hier, j'ai commencé à enseigner nous sur. Enseigner nous sous bagaille qui est capable de faire nous kembe onction nous, kembe grâce nous, kembe présence de Saint-Esprit bon Dieu dans la vie nous. Et yon nan bagaille que nous te wè, qui est capable d'aider nous faire ça, c'est hier, c'est l'humilité. L'humilité, frères et sœurs, nous disons que li gen une valeur inestimable. Et pourquoi j'en mouè? Gen sa ou, gen bagay yo li la beauté intérieure. Gen moun ki li la beauté de l'âme. La beauté de l'âme gen pou wè avec des qualités intrinsèques d'une personne qui attire. Gen moun ki bel an dan et gen moun ki bel dehors. Gen bagay mwen la. Gen moun ki bel an dan et il y a des gens qui sont belles dehors. Il y a des gens
qui loi pas trop belle dehors. C'est-à-dire, et me dit ça, c'est pas pour froisser ces pièces maintenant, parce que je connais des gens qui ont des gens très sensibles. La Bible même parlait sous ça de Jésus, il dit il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer les regards. Donc, en termes d'esthétique, selon qu'il définit par culture ou bien quel que soit sa liée, norme et standard qui établit. Donc, il y aurait les beautés, pas vrai? Il est vrai qu'on dit que beauty is in the eye of the beholder, mais nous, plus ou moins, comprendre, ça me l'a dit. Et il y a des gens qui paraissent sous l'île, de façon que attirer, lui faire plaisir au sens. Donc, on s'est dit ça son bel nègre ou bien ça son belle femme. Mais on a eu la beauté intérieure, la beauté de l'âme. Il y a des gens qui sont belles et en dedans et dehors. Il y a des gens qui ne sont pas belles dehors, mais qui sont belles en dedans. C'est-à-dire, c'est dans le rapport ensemble avec eux, l'on commence à côtoyer eux, ou commence à parler avec eux. On se rend compte que on a fait avec on beauté d'homme, on beauté de femme et extraordinaire, pas vrai? Donc c'est important. Y a une bagaille qui rend au monde belle en dedans, c'est l'humilité. Et l'humilité. Et l'humilité, c'est pas reconnaître, c'est pas le déni de sa valeur, de son importance, c'est pas ça l'humilité. C'est pas le déni de ses talents, de ses capacités, mais c'est plutôt la reconnaissance que ces choses, ces valeurs, ces capacités, ces talents viennent du Seigneur. Et c'était là le péché de Nebuchadnezzar qui n'a pas su comprendre que tout ce qu'il a venait de Dieu, et au lieu d'attribuer à Dieu la gloire, il voulait s'attribuer lui-même les gloires. Et le résultat fut lamentable. Parce que, en voulant être plus qu'il avait été créé, il était devenu moins qu'il avait été créé. Des fois, sometimes, when you want to be more, when you want to have more, you end up being less, and you end up having less. Sometimes, when you want to be more, when you want to have more, you end up being less, and you end up having less. Et il y a peu important matin pendant que nous continuons avec l'enseignement ça. L'important pour que il va continuer à voir et il faut continuer. Et l'important pour que quelque chose me dise, qui t'aime dire déjà que gagner y a une différence entre l'humilité et l'humiliation. Comprends-tu, attendez? Gagner une différence entre humilité et humiliation. Bon moi si grand monde en bas live là qui ca aider me faire différence. Qui différence vous fait entre humilité et humiliation? Faut-y participer avec aujourd'hui là, s'il vous plaît. Qui différence vous fait? Bon moi ça nous dit. Qui différence au fait entre humilité et humiliation? En d'autres mots, qui sa humilité y est et qui sa humiliation y est? Bon, regardez comment le peuple a répondu. Qui sa humilité y est et qui sa humiliation y est? Ou bien, en d'autres termes, qui différence? Quelle est la différence entre l'humilité et l'humiliation? Bon, regardez pour moi qui sa peuple a dit. Beaucoup de dimanche, non, Mounio?
Et nous avons les brepois. Ah, ouf, ça bon. Gomoun qui dit, humiliation happens to you. Humility works in you. Ouh, ça bon, ça bon. Et ça me dit, je connais la classe à Gomoun fort. Ah, Gomoun qui m'a mon bête là, oui. Il dit comme ça, et humilité, c'est le monde à mépriser ou, et puis ou fait silence. Oh, comme qui dit humilité, c'est là où reconnaître ou pitié devant papa bon Dieu. Humiliation, c'est rabaisser de manière insultante. Humilité, c'est reconnaître sa valeur devant Dieu. Et ça, il y a mon dans la classe là qui forme, dit non. Gomoun qui dit, humilité, c'est être humble. Humiliation, c'est quelqu'un qui veut écraser pour son bon plaisir. Mais ça, mais... Oh! Et Sylvain Domé, il dit lui-même, humilité, quand on s'abaisse soi-même. Mais ça, Mes amis, Gomoun qui dit, la première, c'est-à-dire l'humilité, est personnelle. La seconde nous est faite par le prochain ou les circonstances. Ah ben nous finissons la classe là, oui. Nous finissons la classe là, ce moment-là. Yep, nous finissons la classe là. Et je pense qu'il y a autant de bons bagailles qui dit. Et nous jouons une réponse là, oui. Nous jouons une réponse là, oui. Et pour me résumer, ça nous dit, en réalité, l'humiliation est subie. Ok, c'est quand quelqu'un veut te rabaisser. C'est quand quelqu'un te méprise et la personne te rabaisse, la personne te diminue. Et il y a ça, Jean-Moundin dit, il a méprisé, il y a ça, humiliation. Mais l'humilité, c'est quand tu t'abaisses toi-même. C'est quand tu te vois, c'est quand tu te vois comme tu es devant Dieu. Songez, ce n'est pas le déni de ses talents, ce n'est pas le déni de ses capacités. Mais c'est la capacité de se voir comme on est vraiment devant Dieu. C'est la capacité de s'abaisser pour soi-même. Ici, sa Bible a dit, quand tu étais petit à tes yeux, dans 1 Samuel chapitre 15, c'est la réponse, c'est reproche ça. C'est reproche ça, bon Dieu fait à Samuel, à Saül, on va aller rapidement, dans 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15 et verset 17, il dit, Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël lorsque tu étais petit à tes yeux? Bon Dieu, aimé. Servi à moun qui fait au pitié d'un bel. Bon Dieu aimait ça. Et où est humilité? Humilité, moi-même personnellement, si ça me dit quoi? L'humilité t'a semblé la reine de toutes les vertus. Et par rapport à cela, au compte qui ça fait? Si gon bagay bon Dieu raï, et gon moun ki te di san balav la, le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Si gon bagay bon Dieu raï, son moun ki orgueilleux, son moun ki enflé, son moun ki enflé de sa propre valeur, de sa propre importance. Si gon bagay bon Dieu raï, c'est ça. Bon Dieu raï ça en pile. Et au point que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Dieu refuse, et l'autre membre de phrase après l'idée nous fait ça, Dieu refuse sa grâce aux orgueilleux. Tenez bien ça, M. là, et que ça pourrait pas exemple, la grâce n'est pas pour les orgueilleux. Écris ça.
Exemple de là. La grâce n'est pas pour les orgueilleux. Donc l'orgueilleux n'est pas même capable de recevoir la grâce. Parce que lui trouvait que grâce là est en dessous de lui-même. Oh my God. L'orgueilleux n'est pas même capable de recevoir la grâce parce qu'il trouve la grâce en dessous de lui-même. Écris Sam Dola. Écris. L'orgueilleux n'est pas capable de recevoir la grâce de Dieu parce qu'il trouve la grâce en dessous de lui. Pour lui-même, grâce à son bagage qui est trop bas, pour l'abaisser, pour ses. Ou pas qu'on j'aime jouer le monde. Madame Bala gâté la même. Ou pas qu'on j'aime jouer le monde et. Ça me brasse de la triste, oui. Ça me brasse de la triste un peu, lui. Ou pas qu'on j'aime jouer le monde et aider et tout lever. Parce que c'est lié à PD. On coupe même tout là. Oui. Pressant pour t'en dire ça, ma petite. Je me dis là encore. C'est ça. La grâce n'est pas pour les orgueilleux. Et ou qu'à comprendre haïtien, oui, ça me donne là qu'à comprendre haïtien. Mais ton dimension pour comprendre ça me donne là. En fait, généralement, je me dis haïtien parce que c'est le point de référence. Il est capable d'appliquer à toutes les nations, mais comprendre. Gen moun. Le fait que l'ina, bon dire en anglais, some people are angry because they are at the receiving end. Some people are angry because they are at the receiving end. Gen moun l'inévé parce qu'il trouve une position que quelqu'un a aidé. Oh, un pour y a pour un. Ou jouer dans mon apédo. Et puis tout pour nerver pour ça. Et bon, pas qu'on la vie. Pas qu'on la vie. Et. La grâce n'est pas pour les orgueilleux. La grâce n'est pas pour les orgueilleux parce que l'orgueilleux, c'est-à-dire. Ouf, conseil de bagarre l'esprit, mon Dieu, blague dans l'esprit là. L'orgueilleux n'est pas capable d'apprécier la grâce à sa juste valeur. Écris ça. L'orgueilleux est incapable d'accepter la grâce à sa juste valeur. Il n'est pas capable d'accepter, il n'est pas capable d'apprécier la grâce. La grâce n'est pas pour les orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu les résiste. Second catégorie monde, bon Dieu, résister, c'est mon qui est orgueilleux. Bon Dieu, résister, mon Dieu. Bon Dieu, devenu leur adversaire. Bon Dieu, devenu leur adversaire. Ok. Et maintenant. Nous allons le fâcher, nous allons le fâcher, nous allons le fâcher parce que nous allons quelques coups de pique là. Maintenant, gen moun qui sont humilité à son problème boulé par nature et par culture. Nous songez en sociologie à ce débat nature-culture. Gen moun qui est naturellement orgueilleux, mais gen moun c'est culture qui évolue là-dedans qui rend orgueilleux. Et tenez bien, où est mon cap? Mon cap doit prier en pile. On nègre au cap, on femme au cap. Faut prier en pile sous question orgueil ça. Mon nan non surtout mais mon cap en particulier. Faut prier en pile sous question orgueil ça parce que nègre au cap là, il toujours croit que le supérieur à nègre Port-au-Prince là. Il nègre au cap là, jolé en pile. En pile là yo. Maintenant, n'a pas excuser les généralités, mais nègre au cap là il jolé en pile. Nego cap là toujours pi fort passer tout le monde, nego cap là il toujours c'est lui pour diriger tout le monde. Nego ouais nous canne V avec moi même ma pico oui, pec, je vous pique là comme ça. Ouais on nego cap faut faire pile attention. Faut pile attention.
Et généralement, et après, dans l'église, est-ce qu'il y a un cas dit là, ici? Aïe, aïe, aïe. Et bon. Il y a pas même besoin de dire, mais nous avons compris dame dit. Et nous avons capable de faire pile attention. Parce que Gonfier, il t'a dit oui. Sam de la tellement vrai, ou quand on t'a dit ça, oui. Il a parlé de la fierté capoise. Bah, j'aime quand tu comptes des mots ça. La fierté capoise. Donc, Nego Kapla, il grandit nos cultures, il grandit nos environnements de fierté, d'orgueil. Que des fois, lui-même range l'école pour sanctifier l'orgueil là. Il range l'école des fois pour sanctifier l'orgueil là. Besoin pile grâce. Donc, on est capable de comprendre dimension culture là-bas, oui, dans ce sens-là. Et on a besoin pile grâce. Mais, de façon pratique, je ne suis pas bien temps, et il faut me bannir ça, oui, même si je ne suis pas bien temps, il m'a le top, mais il faut me bannir quand même. De façon pratique. Il y a quelques bagages qui caillent dans mon nuit. Il y a quelques bagages qui ont aidé au monde. Tenez bien, ça me rappelle la libre à l'important. Il me compte ça, Mamzou. Ça me rappelle la sauvagerie. Pas jamais demander bon Dieu pour l'humilier. Mandez bon Dieu plutôt pour le bas ou humilité. Parce que l'humiliation blesse. Pas jamais demander bon Dieu pour l'humilier. Mandez bon Dieu plutôt pour le bas ou humilité. Parce que l'humiliation blesse. Et l'humiliation publique dépendamment de profondeur humiliation, l'écartement des thérapies, l'écartement des interventions divine, il caprend des mois et même des années pour guérir de cette blessure. I know what I'm telling you. Vous avez Samdou là? Tenez bien Samdou là. Pas jamais de bon Dieu pour humilier vous. Mais dis bon Dieu plutôt bonne humilité. Vous avez? Soit pour tenir samedi, oui. Pas jamais demander bon Dieu pour humilité, pour humilier. Dis bon Dieu plutôt bon humilité. Et le pasteur qui t'a ben en blague, on n'est qu'à prier. Et un pasteur on le t'a prié qui t'a ben en blague. Et pas en blague, non, il dit qu'on est qui t'a prié, puis tout le monde a prié, il a dit, Seigneur, humilie-nous. Je prie, il dit, Seigneur, humilie-nous. Et tout le monde en haut chaise, en haut chaise, devant tout le monde, et puis tout le monde a un cabi chaque fois, monsieur. Tout le monde est tombé des pieds longs. Et dormi en haut chaise, nous avons commencé à y aller. L'entendre, en fait, jusqu'à présent, dans certaines églises, ils ont mis chaise en haut chaise. Bon, ça sont l'autre étude que ce pharaon a fait pour nous, notre là va passer avec nous, là va enseigner nous. Ça, c'est dans l'église, yo, chita sou en hochet, toujours pharaon dit nous comment pour fille chita en hochet, comment pour garçon chita en hochet. Dans l'église, yo utilise ce pharaon, m'a petit ça, mais pharaon là va dit nous. Il a pas bon enseignement ça, non, moi, kap vin là, parce que nous avons vraiment pris
Koukounia. Ils sont tombés. Quelle humiliation, quelle honte. Pas jamais dit bon Dieu, humilie-moi. Non. Dis Seigneur, bonne humilité. Bonne humilité. Yes. Remplis-moi d'humilité. Bonne humilité. Et humiliation sauvage, oui. Bon, juste garder un bas live là. Et. Bon, juste garder un bas live là. Combien de nègres, combien de monde comme ça. Et. Qui compte ça, oui, les humiliations. Bon, garder un bas live là. Combien de monde comme ça. Est-ce que ça, j'aimerais vous pour prendre humiliation. Vous connaissez la humiliation, Red? C'est là, on prend en public. Des fois, je cherche un pied pour sauter ou pas qu'à sauter. Bon, moi, juste lever, mais si j'ai mon embalav là qui compte sacrilé, m'a parlé de humiliation, tout bon. Oui. Si j'ai mon qui compte sacrilé humiliation, juste lever mon pour mon bagage. Juste mon petit main levé, pour me capable de comprendre. Humiliation. Ouais. Il y a quelques mondes. Ok. Et yon nan bagay bon nou kek bet, yon nan bagay ki kon fè fiche santi yo humilié, santi yo rabaissé, c'est le mari ou prend l'autre femme sou yo. Et parce que généralement et le mari a prend l'autre femme sou fia, fia pensé que si l'été fia pensé que raison qui fait mari il prend l'autre femme sous lui, c'est parce que mari a trouvé l'autre femme n'est plus attrayante ou bien something like that. Bah qu'on est tout détail. Et c'est pas toujours le cas. Il y a des qui naturellement désordent, même capable de comprendre une réaction fille qui sentit ça, Et pour garçon tout, oui. Et pour garçon tout, papa. Les femmes n'ont pas l'autre exo. Des fois, si bah ça son mari qui fait public. Gagne qui a mouru. De toute façon, nous comprenons ça, m'a dit. Maintenant, mais quelques bagailles qui a aidé dans la vie. Avec question humilité, ça. Mais quelques bagailles qui a aidé. Un, comprendre la fragilité de l'homme. Quelques bagailles qui a aidé. Comprendre la fragilité de l'homme. L'homme n'est fragile. Frère, l'autre dit nous avant d'aller. Beau! Mais qui ça a changé la vie en nèg? Beau! T'entends des beaux là? Tout chèl be allé. M'te pense où on nèg, monsieur? M'pap j'en oublié ça, non? M'tap travaille comme nurse. Mon nèg te pense où, monsieur? Jusqu'à présent, nèg là dans l'esprit. Monsieur, c'était. Ou qu'on a un pays, nous, en Haïti. Et conseil de idées que nous avons dans l'esprit, nous. Ah ouais. Et nous avons, depuis le soutien de certaines familles, nous avons des vieux bagages que nous avons. Et puis, monsieur Mulat, Baïsao, soutien de la grande famille en Haïti, monsieur vient malade, monsieur vient développer une maladie. Il faut que ça bien aimé. Papa, il n'y a pas de nèg ça, conseil de malin sous lit, wound care, m'ta fait pour monsieur. Nèg ça, conseil de malin sous lit, man. Le, m'fin prend soin, monsieur, rad, sous moyen, senti. Généralement, c'est monsieur, je vais faire un dernier parce que rad sous moyen, l'aime fin pour soi, monsieur, rad sous moyen, il y a 100 corps, monsieur, 100 malin, il y a de la senti. Donc, c'est l'aime fin, parce que je ne vais pas marcher sous mon senti, c'est l'aime fin dernier, et plutôt rad là, n'écrivez là, quand même, nettoyez ou bien mettez l'en côté, il y a de la senti.
l'on comprend ça, il est la fragilité de l'homme, même si tu as fait fréquent des fois après faire. Je songe, j'aime tap travail comme aumônier, aumônier d'hospice. Et gen, c'est la première fois que j'ai fait expérience. J'ai gagné Assisted Living Facility, m'entrer là-dedans. Et puis, on rentre dans une vallée de chaises roulantes. En pile dans puis il aussi des personnes âgées. Donc, on rentre dans une vallée de chaises roulantes. Donc, ça, t'es médecin, ça, t'es juge, ça, t'es avocat, ça, t'es gain business. Et puis, où est l'homme? En pile nous. Qui va nous pas comprendre? Et puis, où est l'homme? Qui ça que l'homme? La fragilité de l'homme. Au monde, tandis comme on l'avion, on va changer, oui, monde a fait des années là pour étudier. 9-10 ans. Et puis tout, on a mis le sauti pendant le sauti, boum, un accident. Végétable. Végétable! Tout ton cerveau, des années d'études, allez, boum! Ou alors, quand tu comprends la fragilité de l'homme, mon cher, par contre, qui m'a dit même pour pas descendre devant le grand bon Dieu, ça, l'homme, non, il a fait sa vie, a dit, qu'est-ce que l'homme même, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à ça l'homme là lui-même. Surtout nous-mêmes qui dans le domaine médical, nous sommes l'homme là. Nous sommes l'homme dans la faiblesse, nous sommes l'homme dans la descente, nous sommes l'homme dans la vieillesse. Il dit dans le créole, nous sommes vaillants, pas mourir vaillants. Vaillants, pas mourir vaillants. Et où est-ce qu'on travaille dans le domaine de l'hôpital, qui prend soin de l'homme? Au monde qui n'a soin palliatif, au monde qui n'a soin intensif, cap vive avec moun, cap wè sa moun nan, mon cher, si ou pas humble, ou pas jam humble encore, pas jam humble encore. Passant ça, m'dou la, c'est pas ça m'plus songer parce que m'dou le mal là, quand même, y a de la senti. Et puis tout des fois, la vie ça. Donc la fragilité de l'homme t'a supposé rendre nous humbles. Deuxième bagage qui t'a supposé rendre nous humbles, c'est les circonstances de la vie. Écris ça pour moi. Les circonstances de la vie t'as supposé rendre nous humbles. Les circonstances de la vie t'as supposé rendre nous humbles. En nous honnête, en fait, t'y causer. Ça t'a dit ça. T'as dit oui? Moi, par exemple, en soumoué, ça t'a dit ça. De Sinaï à Antichamkaï. Les circonstances de la vie t'as supposé rendre nous humbles. Ça t'a dit ça. De Sinaï, pleine renommée, à Antichambre Kaye. Circonstance la vie. Ah! Il y a leçon sous pas t'apprendre ni papa. Ou t'es qu'à fouiller. Ou t'es qu'à distraire. Les circonstances de la vie. Les circonstances de la vie. T'as supposé rendre nous humbles. Gen bagay qui arrive ou et ben gen bagay qui arrive ou. Si ou pas on monte bien humilité ou développer la dommage ou pour la vie. Yes. La dommage ou pour la vie.
And I know what I'm saying. La dommage pour la vie. Heureusement pas tout. Heureusement tout papa pour moi. Et est-ce que quelqu'un mon en bas live là qui comprend ça m'a dit là? Est-ce que quelqu'un mon en bas là qui comprend les choses que je vous dis? Les circonstances de la vie. Les circonstances de la vie. Des choses qui parfois nous arrivent indépendamment de notre volonté. Yes. De Sinaï à un studio. Yes. De Sinaï à un studio. Oh. Il y a un bagage. Heureusement pour moi, tout papa. Frère Taylor, tu es en femme. Le Saint-Esprit t'a utilisé, frère Taylor. Le bon Dieu t'a utilisé pour être en femme. Et là, c'est. Hey, thank you, Jesus! Eh? Eh? Juste pour mon petit temps pour m'asseoir. Juste pour mon petit temps pour m'asseoir, ça va être la caïde. Les circonstances de la vie. Ou, t'as dit bien, ou connaît des gens qui t'a vivé à Haïti. Lè ou vin ici pour j'ai ou t'a vivé à Haïti. Lè ou rentre ici, ou pas foutu adapté. Pas foutu. Gen moun nan ki kite Haïti, rezon ki fè kite Haïti, c'est pas parce que a fait le pas de bon. C'est pas tout moun ki kite Haïti parce que a fait le pas de bon. Attention, gen moun ki kite Haïti vu circonstance, vu persécution, vu insécurité, vu ensemble d'éléments, moun nan vin pa karite en Haïti et moun nan li ta bien vie en Haïti, il te gen influence, il te gen tan fait université, il te gen tan établi, koun ya même moun sa ki te gen tan établi ka vin recommencer aux États-Unis. Oh, ou ka foui. Petite, ou ka foui. Même moun sa, ki te gen servante, plusieurs servantes la kali, même moun sa kounya ki vin aux États-Unis, ki a pour recommencer en pile nan yo, et gen nan yo, ki pa même gen prop kay pa yo, se ka 11 ans, yon famille, yon parent, y a fait quelques jours. Oh, ou ka foui, nan pa de pe, petite. Non, pas nan pa de pe. Ou ka fou nan ki sa m'da di la. Ou ka fou nan New York, oui. Fou nan New York, mon cher. Wap bêtise. Et mon gamin qui dit, wap bêtise poule. Ou ka fou nan New York. Parce que généralement, t'as dit, oui, généralement, c'est pas ça qui rive nous qui affecte nous, mais ces gens nous interprétent ça qui rive nous qui affecte nous. Yeah. 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 Cafou. Les circonstances de la vie. Parle de la fragilité de l'homme, parle des circonstances de la vie. Et ça que fait moi-même. Et c'est ça. Grand monde qui dit la vie avant nous. Il n'y a pas bon papier. C'est ça. Ouais, États-Unis montre mon pile bagage. États-Unis ouais là. C'est sont l'école pas bon ici. On l'école pas bon ici. Au monde il y a une façon ou une autre le son ça va pas prendre quand même. Tendez oui frère. En façon ou l'autre, c'est soit ou même ou descend tête tout. Ou bien fragilité l'homme circonstance la vie a descend non mais leçon ça va pas prendre quand même la leçon de l'humilité gon bagaille le seigneur t'ai fait mon l'heure et puis pendant la caméra m'a parlé avec bon dieu me dit seigneur pour qui ça c'est qu'on s'en fait pour qui s'en fait ça bon dieu dit côté m'a menon là faut m'apprendre l'humilité c'est ça bon dieu te dit côté m'a menon là faut que moi apprendre l'humilité yes à chambre ça samedi là gien environ 8 9 ans depuis bon dieu te dit ça bon dieu dit me côté m'a mené là faut que moi apprendre humilité et
Et après, c'est ça que Balvalet a dit, les jeunes gens prennent femme ici, prennent femme là-bas. Ou quand on sait le maladie pas garçon qui tombe sur mon frère. Ou quand on sait le maladie pas garçon, pas qu'à camper mon frère. Et puis tout orgueil, jeunes gens aller. Tout orgueil, jeunes gens aller. Il axe en vie, frère. Il axe. Ou même qui peut comprendre rien dans la vie. Juste relax. Parce que pas ou même qui peut comprendre qui ça la vie a yé. La vie a. Et dans son ode à Dupérier, Malheur dit elle était de ce monde où les plus belles choses ont les pires destins. Des fois, flair ou être plus belle là, des fois, c'est le plus mal passé. Attention, mes amis, j'en ai vivre. Attention, j'en ai vivre. On boit deux bagages qui ont aidé. On finit pas aller. On finit de dire nous ça, vous me dites nous. Mais qui t'aime tout ça, Randy? Pas j'oublie Sambrado là. Peut-être li ka aide ou. Sambrado la ka aide ou. Pendant ma fini. Et gon fi qui dit adje. Adje oui, maladie ça ou grave oui. Et ça c'est adje. Bon tout dou ça pendant ma fini. Moi gen moun ka bay moi gen moun ki gen tab bay yeah bam di nou ça et pendant m'a fini dans il ka aider nou pa jamb li sambrazo la apprendre ni kembel peut-être li ka fò rive loin dans la vie peut-être li ka sauver la vie un jour pa bli sambrazo la peut-être li ka sauver la vie un jour tande bien sa mabdo la peut-être li ka sauver la vie un jour qui ça lui passe? Qui ça vous dit qu'a sauvé la vie mon jour passe? Pas jamais humilier mon. Et qui ça pour moi balabla? Pendant la fin. Pas jamais humilier mon. Et qui ça pour moi? Pas jamais humilier mon. Et qui ça pour moi? Que le son s'arrête là dans tête. Pas jamais humilié mon. Peut-être m'a écrit lui. Écrit les gens aiment nous là. Pas jamais humilié mon. OK. Des fois mon ou humilié ya demain il doit c'est lui qui l'ont position pour lever pas chambre humilié moi pas chambre humilié moi vous allez après nous finir nous avons plusieurs bagages nous utiliser des fois pour humilier monde des fois parce qu'à l'école monde n'a pas l'école des fois parce qu'au fond étude monde n'a pas fait étude ça. Et des fois parce qu'on a une position d'autorité, des fois parce qu'on a un petit moyen, il y a plusieurs critères, plusieurs bagages que nous utilisons pour humilier le monde, pas vrai? Mais apprendre leçon ça, je dis, à pas jamais humilier le monde. Parce que nous nous humilier, je dis, demain, il y a assez de besoin. OK? Et gon bagay m'ap travay sou li, m pa konn ki lè n ap fè sa. Men yon nan bagay nou privwa, yon nan bagay ke m privwa fè, si bon Dieu kite la vi nan mwen, et peut-être m'ap bezwen ed kèk lòt moun nan kominote a nan sa sa,
Moi, je prévois utiliser compétences que bon Dieu m'a moi, in social welfare and other disciplines, psychiatric nursing, pour que je parle au sujet, pour que je conseille de sujet me traiter. Parce que en pile dans nous, par exemple, en thérapie, il y a des bagages que nous vivons. Si nous pas processio et n'a affiché des comportements, il ça quand même débouché sur des maladies physiques. So, si bon Dieu quitte la vie dans moi et dans moi peut-être dans année qui va venir, on va prendre somme pour adresser une série de sujets de façon experte avec grâce bon Dieu, peut-être le samedi doit faire intervenir dans choix des psychologues cliniques, clinical psychologists, monde qui travaille dans le domaine de psychiatrie, et even some other social workers pour nous capables d'aider nous process some stuff because the struggle is real. Et il y a des bagages faut nous connaître leur arriver nous comment pour nous gérer yo, comment pour nous deal ensemble avec eux parce que bien pile dans nous là et s'il demande nous comment ou gérer en humiliation parce que gain humiliation l'elle fait non goût fermé généralement une humiliation son bagage ou subi but gon bagage yo les public humiliation how do you handle that comment ou gérer comme conseil le bagage qui va aller important pour monter de façon pratique how you deal with it pour comprendre par exemple bien monde qui gain parents yo qui gain Alzheimer's disease genre sister a dit monde qui gain parents qui gain dementia on prend toutes sortes de différents types de dementia. Donc, on sait de réalité qui là, que nous vivons. Moun qui are going through terminal illnesses, hospice care. On sait de bagay très pratique. Si bon Dieu quitte la vie dans moi. Le samedi, j'en dis à faire intervenir. Moun qui a une expérience qui travaille dans le domaine là, peut capable de dire nous, mais comment. Parce que, hey, frère Télo, dis nous, t'es apprendre nous. Que c'est responsabilité de l'église pour l'accompagner l'homme dans la route, dans le voyage, dans la vie. Et moi, je me dis, mon Dieu, merci, parce qu'il fait une grâce pour me capable accompagner dans la façon que le permet moi pour me faire. Que non, mon Dieu, et non, mon Dieu, seulement capable de glorifier. Il y a un pile d'autres bagages, nous étions capables de penser que nous étions là. Et yeah. Me déclarer que mon Dieu, bon force, que mon Dieu, bon en dedans, que mon Dieu, attendez, ça me doula pas, attendez, bien, ça me doula pas, jamais de mon Dieu. Pour l'humilier, mais m'a dit, bon Dieu, plutôt pour le bas, humilité. Parce que humiliation, ah, ça fait mal. Eh bien, mes amis, nous finissons. Nous finissons. Nous avons plusieurs monde qui ont fêté l'anniversaire. Je dis à qu'une table, mais saluer. Mes amis, l'aide commence à parler de la vie. Nous avons fini. Bon, si c'est quoi ça, bagaille là, yé. Moi-même, question m'a posé tête. Mais nous aimons ça tout. Nous aimons ça en pile tout. Nous-mêmes, nous bien aimons ça tout. Moi, question m'a posé tête. Mais c'est le kingdom dans la vie. Nous commençons à parler. Même, on prend 7 ans. Imaginez des frères, on a pris très tard dans la nuit. Et m'gen nan kam, m'gen sou kam, m'gen sou l'estomac. Mwen, on bagay pou m'planifie, m'a bagay tante nou sa m'planifie sou l'estomac. Mwen, wèn, parce fò m'planifie li, parce fò n'adresse tout bagay yo net. Fò n'adresse tout net. An fin jiri, sa nan jiri kou liya yo la, m'a bagay tante nou lot bagay nan jou ka va vini yo. Plusieurs moun ki a fêté anniversaire yo, ki m'ta preme salu, nou gen frère Dominique Doda, ki a fêté anniversaire, li nou di joyeux anniversaire, a frère Dominique. Nou gen Pricey Michel Paul. Joyeux anniversaire à Pricey. Nous avons Karine Jean-Philippe. Happy birthday, Karine. Nous avons Lucy Desinor. Happy birthday, Lucy. Nous avons Erosane Jean. Nous disons joyeux anniversaire à Erosane. Et demain, qui va samedi, nous connaissons pas fonctionner dans samedi. Pas vrai, samedi et dimanche. Sauf lorsque nous avons un programme spécial. Demain samedi, nous avons Blue Dania Desarmes qui a fêté l'anniversaire. Nous disons happy birthday to sister Blue Dania. Que bon Dieu capable. Anou la priye, non? Anou la priye. Ou m kontan wout bon Dieu a fè nou fè ansanm nan frèz et sè son bénédiction. Seigneur, m'dou merci pou grâce ou. Merci pou présence ou nan la vie nou. Merci parce qu'ou vivons ou réel ou éternel. Merci Seigneur pou petit ou yo ki a fêté anniversaire ou matin, m'a dit grâce, bénédiction, faveur, soutien.
Mais grand bon Dieu, t'en prie, bénis-nous, remplis-nous avec puissance. Et guéris-nous de toute humiliation. Permettez-nous de cultiver la vertu de l'humilité. Je dis en amour, fais-nous passer dans le bien. Famille-nous dans le monde. Jésus, nous prions pour ta gloire. Amen. Give me a big O, ok? A big O. One. Give one, one two, go. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Amen. God bless you. Et pour nous-mêmes qui sommes Timon, nous jouons Timon pendant qu'on est capable d'attendre. Nous jouons pendant qu'on est capable. Mes amis, passons une agréable journée sous le regard du Seigneur Tout-Puissant. Et pour nous-mêmes qui sommes au service Sabbat, fais plan pour nous rentrer dans le Sabbat bonheur. Fais plan pour rentrer dans le Sabbat bonheur. Sabbat is something you look towards, you look forward to. Fais plan pour rentrer dans le Sabbat nous bonheur, fais manger nous bonheur, juste rentrer plutôt, relaxer nous, détenter nous, lever pied nous en l'air. Et pas oublier, prends bon vent dans well nous. Et pas oublier, et pita, à 8 heures, on a bien eau profonde. Et demain matin, si Dieu veut, nous pas de travail. Et demain soir, on a un service spécial demain soir, côté que c'est mesdames yo. Et qui prend le travail. Le Saint-Esprit utilise aussi les femmes. Donc demain soir, à partir de 5 heures, service du samedi soir, à partir de 5 heures, c'est mesdames, madame Terville a prêché. Il y a bien plusieurs autres femmes qui ont intervenu. Fait plein pour le capable, pas vrai? Et là, pour un moment agréable. En attendant que nous rencontrions Pita, dans l'eau profonde, nous voulons dire, pas oublier, bon Dieu, nous remercions tout. We love you and thank you. Thank you, my people. God bless you. Bye-bye.